m'installer à Los Angeles était super important pour la suite de mon projet. Cette ville est un noyau de l'industrie musicale. Contrairement à l'Islande où je recherchais l'isolement, Los Angeles me porte vers une vraie ouverture. Faire des rencontres artistiques et avancer sur mon album est une priorité. Après avoir passé un mois dans le froid éloigné de tout, je suis content de retrouver le soleil dans une ville qui déborde d'énergie. Cependant, je ne perds pas ma soif d'aventure. C'est pourquoi j'ai décidé de partir à la découverte de la Californie, en m'éloignant de Los Angeles. Nous avons donc loué un camping-car pour quelques jours afin de prendre la route direction le sud. Baptiste, tu peux aussi retourner. Souvent venu en Californie pour jouer sur scène, mais je n'avais encore jamais pu prendre le temps de découvrir la nature qui l'entoure. C'est maintenant chose faite, la vie sur la route est toujours surprenante. C'est une progression constante vers l'inconnu. Il y a parfois des craintes, un peu de peur certes, mais surtout l'excitation de découvrir de nouveaux paysages. En Californie, tous les paysages sont si différents, entre le désert, les lacs et les côtes. Ce voyage a été très intense, pas une seconde pour s'ennuyer. Partager ces moments de vie entouré des bonnes personnes m'a permis de me sentir libre. Le contraste entre la Californie et l'Islande m'inspire tellement dans ma musique que je crée en ce moment. Je sais maintenant les couleurs que prendront mes prochains morceaux.